la gagne plateforme haïtienne pour plaidoyer avec un développement alternatif PAPDA qui mandé pays BRICSIO gagne la donne qui gagne la donne plutôt Brésil la Russie Inde la Chine et Afrique du Sud pour porter une attention spéciale sur Haïti qui a traversé une situation qui est difficile en pile. Directeur exécutif PAPDA Camille Chalmers qui t'a réagi sous position Brésil dans G7 les mandé communauté internationale là pour l'agir pressé en faveur une solution sous situation en Haïti déclaré cependant groupe 7 là pas espace idéal pour une approche comme ça alter mondialiste haïtien rappelé pays occidental yo c'est acteur et puis yo gen gros responsabilité la crise pays d'Haïti a traversé depuis bien longtemps li rappelé tout groupe pays ça yo gen une idéologie impérialiste qui n'a intérêt au seulement professeur Camille Chalmers t'a répondre question collaborateur nous Michel Alexis c'est pas espace ça que l'on a mobilisé autour de la question haïtienne. Et il est préférable que l'immobiliser des instances d'un coup UNASO, d'un coup BRICS, ok? Parce que justement, pays G7, c'est des acteurs, tant pis faut l'adhérer, c'est des acteurs de la crise haïtienne, yo auteur de la crise, fabricant crise là, co-fabricant crise là. Et très certainement, ce n'est pas par eux-mêmes que solution que le peuple haïtien a besoin est capable de passer. Donc là, on pensait que ce n'est pas instance qui est adéquate pour être capable d'intervenir sur la question haïtienne, loin de là. Parce que, évidemment, c'est une instance qui n'a une logique de domination impérialiste et qui probablement a prolongé le chaos que fabriqué dans le pays d'Haïti avec plus de 12 missions onusiennes entre 1990 et 2023. Donc je dis, si on a parlé de pays Sayo, c'est d'abord, il doit rendre compte par rapport à ça qu'il fait dans le pays d'Haïti. Il doit évaluer, il doit faire des évaluations indépendantes, par exemple, de missions onusiennes, ou évaluation indépendante de la MINUSTA, ou évaluation des torts causés par la MINUSTA Haïti. Et je veux dire, le peuple haïtien a un droit non seulement de demander évaluation, mais demander réparation par rapport à ces crimes et de torts que MINUSTA a notamment fait dans le pays d'Haïti. Donc voilà, donc nous pensons que ce n'est pas le forum adéquat. C'est une question que tu as poser au niveau de BRICS, au niveau de UNASO, et là, effectivement, capable de gagner une discussion beaucoup plus sereine sur ce qui est capable de faire dans le pays d'Haïti. Et pas oublier tout que gagnons passif, puisque Brésil t'es commandé MINUSTA, et il y a un passif très lourd de responsabilité par rapport à Jean que MINUSTA aggravé crise pays d'Haïti et co-responsable de situation chaotique que l'on vit. Est-ce que ça t'a dit si on forme appel ou fait à pays BRICS sur sous situation pays d'Haïti? Oui, c'est ça, parce que forum ça n'a pas du tout adéquat, puisque ils ont déjà montré ça au café, ils ont déjà montré qui ça que ils voulaient faire, et ils ont présent la crise en Haïti avec un poids politique énorme. Si nous soutenons pas les États-Unis, de pays comme la France ou le Canada, ils ont un poids énorme dans la crise là, ils ont contrôlé un paquet d'acteurs décisif dans la crise là aujourd'hui. Hein. Et justement, ça que nous-mêmes nous devons exiger, c'est un changement radical de rapport entre Haïti et le système mondial, un changement radical de relation entre Haïti et les Nations Unies, de façon que nous faisons l'autre lecture de crise haïtienne, hein, que nous comprenons ce qui a passé et que nous prenons en compte la responsabilité que nous gagnons dans l'aggravation dramatique que le peuple haïtien vive depuis quelque temps. Donc nous-mêmes, nous plus, c'est adouer nos positions de réclamer justice, de réclamer réparation et d'exiger que dossier haïtien traité de manière totalement différente après la tragédie que nous vivons avec Mme Lalim, qui bat un appui 100% à l'extrême droite, du côté que l'opération onusienne toujours alliée aux ennemis du peuple haïtien, au secteur le plus rétrograde et le plus antidémocratique qui gagne le pays. Selon l'explication, professeur Young, telle proposition du Brésil, la G7, risquait pas porter fruit. Oui, probablement. Son bagage pourrait tomber dans le silence, puisque il est déjà présent sur le territoire, il est déjà actif dans la crise haïtienne. Là, et il a joué dans la crise haïtienne là, en fonction de leurs intérêts, qui n'est pas du tout collé avec l'intérêt stratégique du peuple haïtien. Donc, nous pensons que son appel un peu inutile. Et même dangereux dans la mesure où il est capable d'avoir une certaine légitimité à des nouvelles formes d'intervention de pays impérialistes en Haïti.